Bonjour, on est sur le stand du musée du vélo, Salon Vélo & Co. Et voilà, on va avoir un petit interview. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour Victoria, Michel Borg, donc président du musée du vélo à Tournu. Oui. Donc on est très heureux de venir sur ce salon, le premier du genre à Dijon. Et en fait, on a préparé un petit plateau. On espère que ce sera convenable pour ce que vous attendiez. Et nous, de même, également, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a une palette de vélos qui est assez intéressante, qui part directement de la Draisienne, qui était le premier modèle à l'origine, il y a plus de 150 ans, jusqu'au vélo quasiment actuel. Et voilà, on est très heureux. Super, Michel, merci beaucoup. Et j'ai quelques petites questions. Le vélo, pour vous, en trois mots, s'il vous plaît. Alors, le vélo, c'est la famille du vélo s'agrandit, donc rejoignez-nous, voilà, tout simplement. Super. Et votre message à ceux qui n'ont pas encore adapté le vélo? Ah, ceux qui n'ont pas adopté le vélo, je pense qu'il manque vraiment quelque chose d'important. Hein. Donc, c'est très simple aujourd'hui de venir au vélo. Il faut se dépêcher. Hein. Voilà. Et la petite dernière pour la route, votre meilleur souvenir en vélo? Alors, mon meilleur souvenir en vélo, c'est quand j'avais 18 ans en Alsace, j'ai fait la route du col, la route des Crêtes, ouais. Col de l'Achluft, avec mon transistor pendu au guidon et avec un soleil éblouissant, c'était magnifique. Super. La liberté. Michel, merci beaucoup. Voilà. Et on attend de nombreux visiteurs sur le stand du musée de vélo. Ok. Merci, voilà. Victoria. Merci à vous. Très bon salon. Bon salon. À bientôt. Merci. Ouais.